Après plusieurs années, enfin, nous avons eu notre drapeau canadien. Plusieurs personnes croiront qu'il vient d'Ottawa, de M. Pearson. Pour d'autres, j'ai été y chercher dans mes manches. D'où vient-il réellement? Et voici. Made in Japan. Allô? Oui, c'est moi. C'est toi, Jean? Bon. Oui, mais t'es en retard. Je t'attends pour aller à Saint-Denis. Saint-Denis, près des grands bois, un soir d'orage et de bataille, j'ai mis pour la première fois mon chapeau de paille. Et sans égard pour mon chapeau,
contre nos ennemis les canailles. Nous nous bâtîmes sans repos, en chapeau de paille. Puis lorsque fut faite la paix, j'allais souvent par les broussailles, rire avec celle que j'aimais, en chapeau de paille. Et quand plus tard je l'épousais, alors qu'on faisait les semailles, sur les balustres je déposais mon chapeau de paille. Nous eûmes de nombreux enfants, ça fait plaisir la marmaille, ça vous a des airs triomphants, un chapeau de paille. Et lorsque contre le croup ardent, le médecin n'a rien qui vaille, et tous moururent en regrettant leur chapeau de paille. Vieille à son tour partie, sur cette terre faut que tout s'en aille. Il me resta pour seul ami mon chapeau de paille. Je suis vieux, j'ai près de 100 ans, je me résigne et je travaille pour pouvoir mettre encore longtemps mon chapeau de paille. Concitoyens, il est passé le temps où nous pouvions croire que pétitions, discours, menaces, pression politique de toutes sortes pouvait laisser quelque espoir dans la conduite des affaires de notre pays. C'est vexation sur vexation que nous sommes forcés d'endurer. À l'Assemblée de la Confédération des Six Cantés, nous avions affirmé notre foi indéfectible à la liberté telle que décrite dans la Déclaration de l'indépendance américaine. Nous avions réclamé le droit de sauvegarder notre liberté, de redresser notre économie. Les fils de la liberté se sont fait les champions de notre volonté patriotique. Et aujourd'hui, ils sont poursuivis, traqués par les mercenaires du gouvernement.